We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Poland. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue en Pologne, bienvenue à Katowice, bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de ce 16e congrès annuel numérique des Nations Unies, IGF 2021. C'est justement ici que se tiendra une discussion internationale sur le développement d'Internet. Je m'appelle Agata Konarska, je suis journaliste, je travaille à la télévision et c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir ici. Cet événement international est de grande importance, je pense que c'est le plus important de ce type, le plus important à être consacré à ce sujet. Bienvenue donc à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui à ce centre de conférence de Katowice. Bienvenue au secrétaire général de l'ONU, M. Liu Zhenmin. Vous pouvez prendre place, je vous en prie. Bienvenue à vous. Le Premier ministre de la République de Pologne, M. Mateusz Morawiecki. During opening ceremony, we will also get to hear from United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, and the President of the Lors de cette cérémonie, prendront également la voix M. Antonio Guterres, ainsi que Andrzej Duda, Président de la République de Pologne. Bienvenue à tous ceux qui participent à cette réunion en ligne. Nous parlerons du monde numérique. D'ailleurs, nous nous rencontrons lors d'un congrès dont le motto est un Internet uni. Internet uni est accessible à tous. Un réseau mondial qui serait inclusif pour tous les utilisateurs, tous les usagers, et qui créerait une seule communauté. Et lors de cette pandémie de Covid-19, Internet s'est avéré plus qu'utile. C'est grâce à Internet que nous avons pu continuer à fonctionner, à travailler, à vivre. Internet est donc plus important que nous ne le pensions il y a une quinzaine de mois encore. Cela montre toute la mesure, toute l'ampleur, toute l'importance qu'Internet a pris dans notre vie. Nous vivons tous dans un monde numérique maintenant. C'est un fait. C'est pour la première fois dans l'histoire que nous nous rencontrons lors d'un sommet de l'IGF à Katowice. C'est un honneur pour nous de pouvoir, en tant que peuple polonais, organiser cet événement, ce sommet. Et nous en saisissons toute l'importance. Nous sommes convaincus que ce sommet sera une plateforme d'échange, d'opinions, d'idées concernant l'avenir d'Internet, que cet endroit vous permettra d'exprimer vos opinions. 5 jours nous attendent, 5 jours de travail, de débat, d'ateliers, d'interventions, de colloques. Nous parlerons cadre juridique, nous parlerons technologie et nous parlerons des technologies, des techniques d'aujourd'hui, mais aussi des techniques du futur, des techniques basées sur la physique quantique, entre autres. Nous entendrons des entrepreneurs, des représentants du monde de la science, des ministres de la numérisation. Tous ces gens participent à cet IGF 2021. Nous parlerons de questions horizontales aussi, ne serait-ce que l'accessibilité d'Internet. Il y a encore presque 50% de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet. Et nous serons témoins de la prise de décisions importantes concernant l'avenir d'Internet, de décisions qui auront une influence sur la manière dont nous allons nous servir d'Internet à l'avenir. En 2 ans, 772 millions
de personnes ont commencé à se servir d'Internet. C'est plus que la population des États-Unis. La pandémie mondiale a accéléré le processus de numérisation, une numérisation qui concerne tous les aspects de la vie. Nous voyons aussi que ce sont les jeunes utilisateurs d'Internet qui jouent un rôle très important dans son développement. Or, l'avenir appartient aux jeunes, bien sûr. C'est pourquoi il est extrêmement important il est important d'organiser le sommet des jeunes, le sommet des jeunes qui est une des facettes de ce sommet, de cet IGF 2021, qui sera lui aussi organisé en mode hybride. Ainsi, il était important pour nous d'organiser ce sommet. Nous sommes contents de vous voir. Ici, M. Liu Zhenmin, vice-secrétaire général des Nations Unies, sera le premier à prendre la parole. C'est pourquoi je vais de nouveau l'inviter sur scène. Monsieur le vice-secrétaire, si vous voulez bien me rejoindre. Your Excellency, Mr. Duda, President of Poland. Your Excellency, Mr. Morawiecki, Prime Minister of Poland. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Krupa, Mayor of Katowice, Honorable Ministers, Excellency. Monsieur le maire de Katowice. Mesdames et messieurs, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous à cette cérémonie d'ouverture du sommet numérique des Nations Unies à Katowice. Hélas, le secrétaire général n'a pas pu venir en personne, ayant d'autres obligations. Il n'est donc pas physiquement ici à Katowice. Cela dit, nous allons avoir l'occasion de l'entendre. La pandémie de Covid-19 a montré à quel point la transition numérique était importante. Internet nous a sauvé la vie. Nous a sauvé la vie au niveau du travail, autant qu'au niveau de la vie de famille, au niveau de notre vie personnelle. Mais on voit aussi qu'Internet a des aspects négatifs, avec notamment la distribution de fausses informations. Il nous faut donc coopérer et établir des règles claires afin de garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales en reprenant le contrôle sur nos données, en regardant de près les informations, en luttant contre la haine sur Internet et les fausses informations, en connectant tout le monde à Internet d'ici 2030. L'IGF joue un rôle crucial en la matière. La vision d'un monde numérique vigilant, ouvert et sûr, est sous-jacente à la feuille de route de la coopération numérique. Et mon rapport récent sur l'agenda, le programme commun, va dans ce sens. Il s'agit d'assurer la coopération entre les gouvernements, le secteur privé et les autres parties prenantes. Je vous souhaite des débats fructueux et je vous remercie pour votre attention. Thank you, Mr. Secretary-General. Dear participants, I join Secretary-General Antonio Guterres. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant remercier cordialement le gouvernement de la République de Pologne. Je remercie notamment le président de la République, M. Andrzej Duda, que nous allons entendre en personne dans quelques instants. Je voudrais aussi remercier le Premier ministre Mateusz Morawiecki d'avoir bien voulu participer à cette cérémonie d'ouverture. Internet, un réseau mondial uni, tel est le motto de cet IGF 2021. Aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle autre époque, nous sommes conscients de l'importance d'Internet à cause de la pandémie de Covid-19, cette pandémie qui a donné toute son importance à Internet, Internet qui est l'outil qui nous sert à garder nos contacts professionnels et privés. Or, le fait est que de nombreuses personnes sont laissées sur le carreau car elles n'ont pas accès à Internet. Il nous faut donc travailler à l'avenir de la connectivité
ensemble lors de ce sommet. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il est sûr que si nous travaillons ensemble, nous serons en mesure d'atteindre le succès. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous demande de participer à ce sommet. Si vous n'avez pas pu nous rejoindre physiquement, participez s'il vous plaît en ligne. Nous avons enregistré environ 8000 participants. Ce sont des gens qui représentent des institutions publiques, nationales, internationales, mais aussi des organisations intergouvernementales, la société civile, des gens du monde de la recherche, de l'université. Et tous ces participants vont s'engager lors de 200 sessions différentes qui seront organisées lors de ce forum et concerneront l'accès à Internet, le développement social, économique, le respect des droits de l'homme, la confiance réciproque et la coopération, ainsi que d'autres que les cadres juridiques qui apparaissent. Je crois profondément que les débats seront fructueux. Les débats ne seront pas seulement des débats au sens strict du terme. Il y aura aussi des échanges d'opinions, des échanges d'expériences, de manière à ce que nous puissions travailler à notre avenir numérique. Le but est de mobiliser ceux qui peuvent changer la donne, ceux qui sont les plus influents, ceux qui prennent les décisions. L'ONU reste pleinement engagée pour la création d'un meilleur, d'un milieu Internet, d'un réseau mondial plus juste. Et j'espère que vous serez des acteurs de ces changements positifs lors de cet IGF 2021. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Liu Zemin, vice-secrétaire général aux affaires socio-économiques des Nations Unies. Merci de nous avoir rejoints ici à Katowice. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant donner la parole à Monsieur le Président de la République de Pologne, Andrzej Duda. Il nous parlera par le biais d'un film. Mesdames et messieurs, chers amis qui participaient à cet IGF 2021 des Nations Unies, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue. À cette 16e IGF dans cette belle ville en plein développement qu'est Katowice. Je n'ai pas pu vous rejoindre physiquement aujourd'hui malheureusement, mais c'est avec une grande satisfaction que je vous souhaite la bienvenue, que je souhaite la bienvenue aux représentants des Nations Unies et de toutes les structures représentées lors de cet IGF. Je vous souhaite des débats fructueux, des échanges instructifs. La crise liée à la pandémie de COVID-19 nous a permis de voir à quel point la numérisation était importante. Soyons honnêtes, sans Internet, nous n'aurions pas été en mesure d'organiser l'événement qui a lieu aujourd'hui, qui est sous format hybride. Nous vivons dans un monde numérique, mais en même temps, nous vivons à une époque qui présente son lot de défis, des défis qui sont sensibles au quotidien. Nous avons donc besoin d'un réseau qui nous apporte la neutralité, la sécurité, un réseau basé sur la confiance réciproque, et c'est de nous que cela dépend, de la société mondiale. C'est nous qui sculptons la réalité, fût-elle numérique ou pas. Nous devons répondre à une question qui est tout à fait essentielle, à savoir de quelle manière la numérisation change notre vie, notre quotidien. Comment nous servir, tirer tout le bénéfice possible de la numérisation. Quelle est notre vision de l'éducation à l'avenir? Pouvons-nous faire confiance à 100% aux nouvelles techniques? Quelle serait la meilleure manière d'utiliser, d'exploiter leur potentiel? Comment défendre, protéger les droits de l'homme dans un espace numérique? Ces questions, c'est à ces questions qu'il nous faut répondre ensemble. Un pays, une région, un pays tout seul n'y arrivera pas. Même une région du monde n'y arrivera pas. Nous avons besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin de joindre nos efforts au niveau mondial. Et ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons atteindre nos objectifs. Je suis très heureux de voir aujourd'hui que la Pologne est au cœur du débat.
de ce débat consacré à des questions essentielles. Certains d'entre vous ont fait un long voyage pour nous rejoindre ici, pour nous rejoindre en Europe centrale, une région pleine d'énergie, une région jeune, une région de jeunes travailleurs, souvent talentueux, souvent créatifs. Et j'espère que vous apprécierez cette région, cette ville à sa juste valeur. Je suis content de voir la mobilisation des jeunes usagers d'Internet. Votre voix, à vous les jeunes, est particulièrement importante et je suis contente qu'un sommet soit organisé pour les jeunes lors de l'IGF. L'avenir est entre vos mains et puisque je parle d'avenir, je voudrais sauter sur cette occasion pour vous dire que nous fêtons cette année les 100 ans de Stanisław Lem, un grand futurologue, un grand auteur qui a dit à une époque, nous ne voulons pas conquérir le cosmos, nous voulons juste étendre la Terre pour qu'elle soit aussi vaste que le cosmos. Internet, justement, est-il dénué de limites, de frontières ? Voulons-nous élargir, étendre jusqu'à l'infini les limites d'Internet ? Le réseau mondial est-il au contraire la dernière limite de notre univers ? Voilà des questions que je pense intéressantes et pertinentes. J'espère que vous y répondrez, ne serait-ce qu'en partie, lors de cette IGF. Je sais que le motto de cette IGF 2021 est un réseau uni. Un réseau sans division, un réseau ouvert et libre. Je pense qu'il est particulièrement bien choisi. Je vous souhaite des débats engagés, fructueux et instructifs. Je vous souhaite des conclusions ambitieuses, courageuses et constructives. Merci pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. C'était le président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda. Le Premier ministre, M. Mateusz Morawiecki, est ici avec nous. Panie i panowie, mesdames et messieurs, Monsieur le vice-secrétaire général pour la gestion de l'Internet mondial, chers ministres, parlementaires, mesdames et messieurs, depuis longtemps déjà, le monde virtuel et le monde réel ont commencé à s'entrelacer. D'abord dans la littérature, science-fiction, ensuite de plus en plus dans la vie réelle. Et enfin, aujourd'hui, nous observons une conjonction de ces deux mondes dans notre vie de tous les jours, dans les questions liées à l'économie, à la vie économique, avec les réseaux sociaux, l'administration publique locale et les contacts interhumains. Donc nous devenons aujourd'hui membres d'une communauté Internet mondiale qui peut être la raison d'un excellent développement dans le futur et en même temps peut être un piège et un danger. Un peu comme le couteau qui peut servir à couper du pain, mais qui peut aussi faire du mal. L'Internet est justement un outil de ce type, mais beaucoup, beaucoup plus influent, qui a un impact beaucoup plus grand sur la vie de tous les gens du monde entier. L'Internet est une promesse formidable de la vie dans le futur, des gens qui... Et en même temps, nous en faisons l'expérience dans de nombreux domaines de notre vie, comme dans les services de la santé. En vous rencontrant aujourd'hui ici, un an après la date de l'annulation du forum
Nous savons très bien quelle est la force de la pandémie. Mais c'est aussi des solutions Internet qui ont été mises en œuvre. Les prescriptions, tout ça a sauvé beaucoup de vies en Pologne, où ces solutions, nous les avons mises en œuvre à temps. Ça, c'est les bons côtés d'Internet. En même temps, nous faisons l'expérience d'attaques, de pirates, de hackers, qui vient du côté de nombreux pays où Internet est utilisé comme arme. Donc, peu de choses sont plus importantes que celles, comme aujourd'hui, pendant ce forum, que l'on trouve des solutions communes en matière de gestion du réseau. Si tu ne payes pas pour le produit, c'est toi qui deviens le produit. Je pense que cette phrase rend bien de l'individu sur Internet. Si tu ne payes pas pour le produit, c'est toi qui deviens le produit. Nous devons nous rendre compte quelle arme est l'Internet, combien il est nécessaire d'élaborer aujourd'hui avec l'aide des Nations Unies et d'organisations qui étaient créées à cet événement, de créer un système de gestion approprié. C'est un enjeu à la mesure du 21e siècle. Un enjeu auquel nous pouvons faire face que ensemble. Comme il y a 100 ans, on a vu les premiers monopoles, enfin plus de 100 ans, et les États nationaux ont su les combattre par la création d'institutions anti-monopoles. Aujourd'hui, pareil, nous sommes sur le seuil de challenges mondiaux. Nous devons faire face à des monopoles globaux, mondiaux. Et dans le contexte d'Internet, nous devons créer des solutions globales pour Internet. C'est l'un des plus grands challenges de l'humanité. Des plus grands challenges qui se posent devant l'ONU. Tel qu'a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour rendre le monde meilleur, pour veiller à la stabilité et au développement au XXe siècle. Je pense qu'aujourd'hui aussi, l'ONU saura affronter ces défis du XXIe siècle. Et l'un de ces défis est l'élaboration des meilleures pratiques du modèle et de devoirs pour tous les pays du monde entier en matière de gestion de cet outil excellent qui reste quand même créateur de beaucoup de risques. Je suis toutefois convaincu que cette conférence ici à Katowice, en Pologne, contribuera à l'élaboration de nouvelles solutions, en même temps contribuera à la mise en œuvre de ces solutions dans tous les États du monde entier. Je vous remercie beaucoup. Je m'adresse ici aux organisateurs. Je remercie M. le vice-secrétaire général qui est ici aujourd'hui avec nous. Et à tous les participants, je souhaite des débats fructueux et d'élaborer un nombre maximal de solutions pour le bien de toute l'humanité. Thank you very much, Prime Minister of the Republic of Poland. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette intervention. Maintenant, j'aimerais dire que la chancellerie du Premier ministre est aussi co-organisateur de ce sommet IGF. Nous sommes à Katowice. J'aimerais donc donner la parole ici maintenant au maire de la ville de Katowice, Monsieur Marcin Krupa. Sera là maintenant devant nous. Bon, il y a 20 ans, nous avons fait un premier pas vers un changement. Nous nous sommes concentrés sur l'innovation, sur la créativité
et aussi, sinon avant tout, sur nos citoyens sans qui cette transformation n'aurait pas été possible. C'était une impulsion grâce à laquelle les catholiques sont devenus le centre de technologie moderne, la ville de grands événements, un centre de rencontres d'affaires. Le centre de congrès international qui est où vous êtes maintenant est l'un des meilleurs effets de ces changements. J'ai le grand honneur de vous accueillir à ce forum de gestion Internet IGF. La Pologne est pour la première fois le hôte de cet événement prestigieux. Je suis très fier de voir que c'est encore un événement sous l'égide de l'ONU à Katowice. Avant, il y a eu la COP 24, maintenant nous avons l'IGF. L'année prochaine, nous aurons le WUF 11. Qui sera un autre grand sommet. Ça prouve combien Katowice sont devenus un point important sur la carte du monde entier. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à une discussion commune au sujet du futur de l'Internet. Puisse cette rencontre être un endroit d'échange en matière de gestion d'Internet. Bienvenue à Katowice. Monsieur Marcin Krupa, le maire de la ville de Katowice. C'est une ville qui est au centre du débat global sur le développement de l'Internet. Mesdames et messieurs, maintenant, le temps est venu pour les interventions d'ouverture des représentants des différentes parties intéressées. Je sais qu'en ligne, nous avons avec nous Madame Doreen Bogdan-Martin, qui est à la tête de l'Association internationale des télécoms. Merci beaucoup. Bonjour. Pour certains, peut-être bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à cette cérémonie d'ouverture de la 16e édition du sommet numérique de l'ONU. Maintenant, je représente le secrétaire général de Kulinzao de la Société internationale des télécoms qui n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. Cette année, la rencontre de cette année à Katowice a une importance particulière pour moi à cause de mon héritage polonais, de mes origines polonaises. C'est aussi une rencontre très particulière pour l'Association Télécom Internationale vu que nous fêtons aussi le 100e anniversaire de la participation polonaise dans les télécoms. L'IGF cette année pose devant nous des challenges, des défis très importants. Nous voulons que Internet soit une communauté unifiée. Unifiée, c'est plus qu'un motto de ce sommet. L'Internet unifié, c'est un appel à agir. Nous voulons améliorer la connectivité mondiale. Nouvelles données qui ont été publiées la semaine passée montrent que la croissance du nombre d'utilisateurs, des usagers d'Internet a beaucoup augmenté. Mais il reste toujours 37% de la population mondiale, donc 2,9 milliards de gens, sont des personnes qui ne peuvent pas être en ligne, qui n'ont pas accès à Internet. Décembre passe vite, nous approchons la fin de l'année. J'ai foi que cette année peut être une année critique en ce qui concerne nos efforts qui entrepris pour nous occuper de l'exclusion numérique. En janvier, à Qatar, nous avons rencontré pendant une conférence qui aura lieu et à laquelle participeront les représentants de l'Association Télécom Internationale. Et nous allons parler de ce que nous avons appris pendant la pandémie du COVID-19.
pour cette association de Télécom International, la leçon que nous avons prise pendant, la pandémie nous fait penser à développer la connectivité mondiale. Être aussi membre de la société Internet, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre pour quelque chose d'évident. Nous voulons créer une communauté Internet qui est sûre et qui est accessible à tous. Notre association internationale, depuis des années, soutient le sommet numérique de l'ONU. Et avec grande impatience, nous attendons les conclusions qui seront faites pendant l'édition du sommet de cette année. Nous attendons aussi les conclusions qui viendront du rapport qui est présenté par le secrétaire général de l'ONU. J'espère que beaucoup d'entre vous rejoindra le forum qui est organisé par notre association. Et je vais maintenant vous souhaiter de bons débats pendant l'IGF 2021. J'espère qu'ensemble, nous arriverons à créer un futur équilibré et durable. Merci, Madame Martine. Maintenant, Monsieur Rapp Mupita, qui est président et directeur général du groupe MTN. Monsieur Ralph Lubupita est avec nous en ligne. À vous. Merci. Bienvenue à tous. Je vous parle de Johannesburg, de l'Afrique du Sud. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les participants de l'événement d'aujourd'hui et vous souhaiter des débats fructueux au sujet d'Internet et des libertés des utilisateurs d'Internet. J'aimerais commencer par quelques mots au sujet de notre rôle et du rôle du MTN Group. J'aimerais me référer à la manière dont nous contribuons à l'amélioration de l'accessibilité d'Internet dans le monde. En Afrique, nous sommes présents dans environ 18 pays. Nous travaillons aussi avec les marchés du Proche-Orient. Notre activité présente aussi... Notre activité se fait à grande échelle et nous assurons à nos utilisateurs l'accès au réseau. Il est bon de mentionner qu'il y a beaucoup de marchés sur lesquels tous n'ont pas encore accès à Internet. Et pourtant, Internet peut contribuer à transformer les sociétés. Maintenant, nous voyons que sur certains marchés, les utilisateurs des téléphones cellulaires n'ont souvent pas accès à Internet, même eux. En ce qui concerne la pandémie du coronavirus, nous avons vu quel était son impact sur la vie des hommes. Cet impact se faisait remarquer déjà en mars de l'année passée. Nous avons remarqué des différences importantes entre les personnes qui avaient accès à Internet et celles qui ne l'avaient pas. En vérité, ces personnes qui avaient accès à Internet pouvaient vivre pratiquement comme avant. Elles pouvaient faire des achats sur Internet, maintenir des contacts de société via Internet. Leurs enfants pouvaient participer à des cours d'école parce qu'elles avaient à leur disposition les outils nécessaires pour l'éducation. Malheureusement, dans d'autres pays, ce n'était pas le cas. Il y a des pays où les enfants, depuis mars l'année passée, ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas
a accès aux outils numériques. Donc on peut dire que, on peut dire quelque part que dans certains pays, c'est une génération perdue. Les enfants ne peuvent pas bénéficier des services d'éducation. Nous voyons un gouffre qui se crée entre les jeunes gens de ces deux groupes d'États, de pays. Nous avons remarqué que sur de nombreux marchés, l'intensité du trafic sur Internet a augmenté. Dans certains pays, l'augmentation était de 170% comparativement à la même période il y a deux ans, à la même période de l'année d'il y a deux ans. Ça montre que les gens utilisent Internet de plus en plus. On le voit aussi en Afrique sur nos marchés où nous sommes présents. Nos stratégies. On veut faire le développement de l'infrastructure d'Internet à large bande, à bande large. Sur les marchés où nous sommes présents, nous voulons que 90% des utilisateurs aient accès à, du moins à la technologie 3G. Nous considérons que c'est très important et qu'il faut faire en sorte à ce que tout le monde ait accès à Internet, car c'est l'un des objectifs du développement durable de l'ONU que nous sommes censés atteindre d'ici 2030. Nous voulons accélérer ce processus et nous voulons coopérer avec les différents acteurs qui peuvent contribuer à l'accélération de ce processus. Nous voulons utiliser les technologies alternatives, modernes, pour assurer l'accès à Internet aussi à ceux qui n'ont pas cet accès. Nous considérons que l'accès à Internet devrait être traité comme un droit fondamental. C'est une question importante qui exige une coopération entre le secteur privé et le secteur public. Nous considérons que Internet devrait être ouvert, qu'il devrait assurer un flux d'informations libre, mais nous voulons aussi veiller à la sécurité sur Internet. Ça, c'est les trois éléments les plus importants pour nous que nous devons assurer à tous les utilisateurs. Nous voulons aussi nous adresser à des organisations comme l'ITU, mais aussi d'autres organisations internationales pour qu'elles soutiennent ce que font les opérateurs tels que notre société. Nous voulons agir conformément à la loi en vigueur dans différents pays. Nous voulons aussi assurer aux gens la possibilité d'avoir accès à des services de santé et d'éducation via Internet. C'est très important pour le développement socio-économique. De nombreux pays, mais en particulier des pays africains, où le progrès dépend en grande mesure de l'accès aux outils numériques. J'aimerais vous transmettre mes meilleurs voeux. Je vous souhaite des débats fructueux et j'espère que des événements tels que ce sommet se feront un grand succès aussi dans le futur. Merci beaucoup pour ces remarques intéressantes. Maintenant, j'ai le grand plaisir d'inviter sur scène Madame Kosiwavi Aneakpavu Kamasa, qui est avec nous aujourd'hui à Katowice. Bienvenue, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Anakosiwavi Akwu Kamasa. Je suis étudiante à Togo. Je représente la communauté des jeunes gens groupés autour du sommet IGF de l'ONU. Je suis très intéressé par les questions liées à la gestion d'Internet. Je vous remercie de me permettre de m'adresser aujourd'hui à vous. Mais je me souviens
que quelque part derrière moi, il y a des millions de jeunes gens qui n'ont pas cette possibilité de s'adresser à vous directement comme je le fais moi aujourd'hui. Nous avons tous beaucoup appris pendant la pandémie. Et l'une des leçons tirées de cette crise est que l'accès à Internet est devenu un droit de l'homme, une question sociale. Le manque d'accès à Internet se traduit en impossibilité d'accès à l'éducation. J'aimerais que les gouvernements des différents pays, et en particulier, mais aussi des organisations telles que l'ONU, assurent la possibilité de coopérer pour réaliser des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 17. En tant que représentante de la jeunesse, j'aimerais souligner que ces questions sont pour nous très importantes. Merci. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Now, ladies and gentlemen, et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais donner la parole à madame Myriam Kühn, directrice de l'organisation RIPE. Myriam, nous entendez-vous? Oui, bonjour. Hello, Myriam. Yes. Can you hear me? Yes. Bonjour Myriam. Oui, oui, je vous entends. Vous aussi, vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons. Très bien. Merci. Eh bien, bonjour. Chers collègues, chers amis qui êtes réunis à Katowice, je m'appelle Myriam Kühn, je suis directrice de la communauté RIPE et je parlerai aujourd'hui au nom du monde de la technique, de la communauté technique d'Internet. RIPE est une organisation qui coordonne techniquement, c'est un réseau de techniciens européens. Je vous remercie de nous avoir invités à participer à cette cérémonie d'ouverture de l'IGF 2021. Je voudrais notamment remercier les organisateurs, les hôtes polonais de cette organisation. Merci pour les efforts que vous avez réalisés de manière à pouvoir rendre possible ce qui se passe aujourd'hui. Nos efforts, des efforts communs, sont absolument nécessaires afin que nous allions vers l'innovation, vers la sécurité. Je trouve particulièrement évocateur le fait que cette réunion soit organisée en format hybride. Notre réaction à la pandémie de COVID-19 a mis en exergue l'importance qu'a Internet aujourd'hui. Internet est devenu l'outil numéro un et il est important qu'Internet fonctionne, il est important d'avoir accès à Internet. Ce qui a été rendu possible l'a été grâce à la coopération entre les techniciens, les gens qui sont responsables de la gestion d'Internet, la gestion du réseau, la gestion de cette grande infrastructure qu'est le réseau mondial. J'ai été très positivement impressionné par la coopération, par la solidarité entre les techniciens lors des confinements à répétition. J'ai été impressionné par le travail fait dans les centres de données, chez les opérateurs de réseau. Tous ces gens-là ont travaillé en permanence et c'est grâce à eux que nous avons pu continuer à utiliser Internet. Le partage de connaissances et d'informations, la formation réciproque, toutes ces choses-là sont au cœur de la création de notre communauté. C'est grâce à cela que Internet a sa raison d'être. La communauté RIPE, lors de ses 30 ans d'activité, s'est caractérisée par une ouverture au débat. Nous sommes une communauté diverse et variée, une organisation multilatérale en fait. Nous comprenons tous, bien entendu, que le succès d'Internet dépend de... ou plutôt implique des devoirs. Car si nous voulons que les infrastructures soient fiables, efficaces, nous devons faire en sorte que soit garantie une accessibilité au plus grand nombre d'individus possible. Et en même temps, il faut mettre en application des cadres juridiques suffisants. Les politiques publiques ont ici un rôle à jouer, un rôle primordial. Les élus
les élus d'un côté, mais aussi le pouvoir législatif. Tout ce beau monde doit se mettre au travail pour trouver et mettre sur la table des solutions satisfaisantes. Les politiques en vigueur constitueront un outil formidable et extrêmement puissant qui doit être commenté et mis au point par la communauté internationale. Et c'est pourquoi le sommet de l'IGF est aussi essentiel, car l'IGF rassemble des gens qui sont des représentants de divers secteurs, dont les compétences, dont les savoirs sont divers, ce qui permet un dialogue enrichissant. La toile, c'est une communauté de communautés. Donc il faut discuter ensemble, voir les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, comparer, voir quelles sont les craintes des divers groupes d'usagers. Les opérateurs de réseau qui font partie de RIPE coordonnent leurs efforts, grâce à quoi nous pouvons jouir des possibilités qu'offre la toile en matière de télétravail. Ça porte aussi son lot de transparence, c'est quelque chose d'intéressant. Et l'IGF évolue, essaie de s'adapter à un monde en perpétuel changement. Les bénéfices qu'apporte Internet sont ancrés dans un réseau qui doit être ouvert, uni, stable. Nous voulons faire en sorte que le réseau mondial soit justement ainsi, ouvert, stable et sûr. C'est tout ce que je nous souhaite, ainsi que des débats fructueux pour les jours à venir. Merci beaucoup. Myriam Kühne, directrice de l'organisation RIPE. Merci pour ces mots de soutien. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vais maintenant demander de bien vouloir me rejoindre sur scène au représentant de la République de Pologne, M. Krzysztof Schubert. Je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, chers amis, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ici en personne, ici à Katowice, ville qui change, qui se modernise, une ville avide d'innovation. Cette première journée qui nous attend, vous voyez, nous sommes très nombreux et vous savez qu'il y a du pain sur la planche, il y a beaucoup de colloques, beaucoup d'organisés. Nous allons discuter des sujets les plus importants, des défis qui nous attendent dans ce monde de plus en plus numérique, avec un milieu divers et varié. C'est ce que nous voulions et c'est ce que voulaient les Nations Unies avec une approche multipartie prenante. C'est exactement ce qui se passe ici à Katowice. 8000 participants, comme il a été rappelé, 8000 participants sur place. Donc présents ici physiquement, des gens venant de divers continents, de plusieurs dizaines de pays. C'est ce qui nous tenait à cœur. Nous avons réussi à organiser ce sommet malgré toutes les difficultés. C'est une édition qui est en format hybride, mais nous avons beaucoup de gens sur place et c'est une grande joie et un grand motif de fierté pour nous. 50 panels, 50 colloques. J'espère que ces efforts seront remarqués. 300 événements vont être organisés. En quelques mots, voilà ce qui se passe. Nous avons 4 grands sujets de discussion, avec les infrastructures d'abord, l'accès au réseau, l'accès à des infrastructures modernes, à la 5G, à la 6G, et puis l'accès à Internet d'une manière générale, car il y a encore des gens qui n'ont pas accès. On en a parlé. Deuxième sujet, largement commenté dans les colloques, les services dans un monde numérisé, les services prestés par l'administration publique, mais aussi par les acteurs privés. Les 2 dernières années ont montré toute l'importance du monde de la numérisation. Sans la numérisation, nous n'aurions aucune démarche administrative ne serait possible. Et on n'aurait même pas pu non plus travailler. Il y a beaucoup de choses qui... Je pense que dans beaucoup de domaines de la vie, vous avez pu remarquer à quel point Internet était important. Ça concerne l'université, ça concerne le travail, ça concerne la vie privée. Troisième sujet dont on a parlé, les compétences. Alors largement comprises, les compétences numériques. Plus
plus profondément on est ancré dans la numérisation, plus on est aussi exposé à divers dangers. Ça a été commenté hier déjà. C'est une zone, c'est un sujet à soulever. Et puis, il y a un quatrième sujet qui est la cybersécurité. La cybersécurité du point de vue des entreprises, du point de vue des administrations, du point de vue des citoyens. Là encore, un vaste sujet. Et puis, il y a deux grands blocs qui sont apparus lors des rencontres. D'abord, c'est le besoin d'une coopération internationale, surtout avec vraiment cette approche multipartie prenante, avec les universités, les ONG, les entreprises. Ce sont les acteurs qui doivent parler ensemble et mettre au point les normes dont nous avons besoin. La coopération dans le monde, dans la coopération numérique entre les divers pays aussi, sous divers formats. Nous avons pu rencontrer ici des ministres de la numérisation de divers pays. Nous avons parlé coopération, nous avons parlé format. Il y a le V4, il y a les trois mers, il y a l'Union européenne avec une perspective de plus en plus large, la perspective internationale, bien sûr, un segment très important. Et puis ce qui est apparu aussi lors de la première journée hier, c'est beaucoup de discussions autour des investissements, c'est-à-dire la manière dont on peut accompagner le développement numérique, car sans investissement, rien ne sera possible. Il s'agit des grosses entreprises, mais il s'agit aussi des PME, des start-up, il s'agit du développement des entreprises, justement. Et en quelques mots, les nouveautés de cette année. Le sommet des jeunes aussi, c'est une nouveauté, ça a été proposé ici. Donc, il s'agit d'assurer la création d'un dialogue intergénérationnel, puisque les jeunes sont ceux qui, comme leur nom l'indique, sont l'avenir. Ce sont eux qui géreront Internet demain, après-demain. On n'attendait pas autant de gens, en fait. Le succès a été assez surprenant, positivement. Voilà ce qui s'est passé hier. C'est un bref résumé. Et puis, il y a eu un concert hier soir. J'espère que certains d'entre vous ont pu y assister. Des interprétations très, 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 très intéressantes de Chopin, Penderecki. 4 jours encore devant nous. 4 jours de colloques, de sessions, avec plusieurs dizaines d'événements parallèles qui nous attendent et auxquels je vous invite à participer. Je voudrais remercier les Nations Unies de nous avoir permis d'organiser cette édition de l'IGF. IGF 2021, donc. Oui, la gestion d'Internet, vous savez, la perspective a changé ces dernières années. On ne parle plus seulement de gestion d'Internet, on parle de tout ce qui est lié à Internet. Donc on parle cadre juridique, on parle technologie, on parle technique, on parle du présent, on parle de l'avenir, on parle des techniques basées sur la physique quantique. C'est de plus en plus large, car c'est ce qu'implique un sujet aussi vaste que celui de la toile. Je vous souhaite des débats fructueux. Et je vous demanderai de ne pas hésiter à commenter, à poser des questions, à participer activement au débat en utilisant le hashtag IGF2021. Merci pour votre présence, qu'elle soit physique ou en ligne. Merci beaucoup, Krzysztof Schubert. Merci à Krzysztof Schubert, porte-parole du gouvernement polonais, pour ce résumé de la première journée de l'IGF 2021, première journée qui a eu lieu hier. La fin de cette cérémonie d'ouverture officielle approche, mais nous avons encore une surprise pour vous. Un artiste va me rejoindre sur scène pour ravir nos oreilles, un pianiste, un compositeur. Et c'est aussi un chef d'orchestre. Et puis c'est un entrepreneur. Un entrepreneur et un conférencier qui joue du piano depuis l'âge de 14 ans. Et qui a gagné son premier concours de piano à 14 ans. Il a joué ses premiers concerts à Paris à l'âge de 18 ans. Il a participé au concours Chopin, le plus important concours mondial. Il a joué en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie.
Il a été sur les planches des plus prestigieuses salles de concert. Il y a peu, avec son épouse, il a subventionné un prix. Il est avec nous aujourd'hui à Katowice et il va nous jouer trois œuvres avec une œuvre de Wojciech Kilar, une polonaise, la polonaise en la majeure de Chopin. Il nous parlera aussi de l'importance de l'éducation musicale pour les jeunes, pour nous tous en fait. Nous tous qui vivons dans un monde numérisé, un monde d'intelligence artificielle. Ingolf Wunder. Ingolf Wunder. Thank you.
so much. Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today in Poland at the IGF. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici en Pologne à Katowice, de participer à cette IGF 2021. Je suis heureux de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Les sujets liés à la numérisation me tiennent à cœur. Je voudrais dire quelques mots aujourd'hui sur l'importance de la musique et de l'éducation musicale dans un monde numérique, dans un monde d'intelligence artificielle, de numérisation. Nous sommes entourés par la technique. Nous vivons dans un monde où nous sommes stimulés en permanence par des outils technologiques. Nous avons tous ou presque des smartphones. Et cette époque fait que nous sommes de plus en plus connectés les uns aux autres via divers appareils. Comme vous pouvez le suspecter, je suis musicien, mais ma femme et moi avons aussi une entreprise, une start-up. On s'occupe, là, c'est une entreprise technologique liée complètement à la numérisation. Et je remarque à quel point la technologie affecte la vie des gens, pas forcément négativement d'ailleurs. Il y a des divers bénéfices que l'on tire de la technique. On peut partir du principe que l'intelligence artificielle va influencer toutes les zones, tous les aspects de notre vie. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons être bientôt en contact avec des contenus audio-vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si on ne dort pas. La transmission va être de plus en plus rapide. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que dans notre esprit, nous avons on a un conscient et on a un subconscient, n'est-ce pas? Et pour ce qui est de notre conscient, la rapidité de la transmission des données, c'est entre 40 et 100 bits par seconde. Pour ce qui est de notre subconscient, là, les informations, elles circulent encore plus rapidement. Ce qui signifie que notre cerveau peut, de manière consciente, se concentrer sur plusieurs choses à la fois, mais notre subconscient, lui, il absorbe tout ce qui nous entoure. C'est une machine de traitement de données absolument ahurissant. Tout ce qu'on entend reste dans notre subconscient et ça veut dire que les contenus auxquels nous sommes exposés nous alimentent en permanence. C'est le cas avec le son, c'est le cas avec la musique aussi. Vous savez, même si on ferme les... on peut se boucher les oreilles, on entend toujours des sons. Mais avant de réfléchir au lien qui existe entre la musique et la technique, il est bon de répondre à une question de base, à savoir pourquoi la musique et les sons sont aussi importants pour nous, pour nos âmes, pour nos corps aussi, pour nos organismes. Eh bien, parce que les sons, c'est ce que nous traitons le plus vite. Et donc... c'est avec une grande facilité que nous traitons les sons, que nous traitons la musique. La musique, elle influe, elle affecte nos sentiments. Elle nous permet de nous concentrer, elle nous fait ressentir des émotions. Mais elle a aussi une influence directe sur la manière, sur notre bien-être au quotidien. Parce que la musique, c'est une affaire de fréquence, n'est-ce pas? Or, si on réfléchit un peu à ce dont est composé nos organismes, eh bien, on va répondre assez rapidement que notre organisme, c'est des cellules qui ont des fréquences. Quand on parle onde, fréquence, on parle onde. Scientifiquement parlant, la musique peut avoir une influence physique, biologique, sur nos organismes, directement. Ce que nous vivons va influencer notre vie, notre ressenti, notre bien-être. Ce que nous entendons affecte directement la manière dont fonctionne notre organisme, la manière aussi dont l'ADN va coder les protéines qui elles-mêmes vont constituer les cellules dont nous sommes constitués. Des cellules meurent tous les jours et sont remplacées par de nouvelles cellules. Ces nouvelles cellules sont directement altérés par la réalité personnelle. Quand j'ai la première fois que j'ai entendu parler de ça, ça a été un choc pour moi, une surprise, mais le fait est qu'il est prouvé scientifiquement que les sons qui nous entourent nous sculptent en tant
qu'être biologique. En tant que musicien, j'en ai conscience et je peux dire que l'influence qu'a la musique sur notre corps est absolument ahurissante. Plus meilleure est la musique que nous écoutons, meilleures seront les modifications apportées à notre organisme. La musique est porteuse d'émotions, elle est porteuse d'informations aussi. La musique nous transmet des informations par les sons. Que nous soyons musiciens ou pas d'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour tous. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Il est prouvé scientifiquement que la musique influence, a une importance pour notre qualité de vie. Alors, puisqu'on sait ça, eh bien, pourquoi écouter de la mauvaise musique une fois qu'on sait ça? Vous savez, il y a des musiques qui sont pauvres. C'est un peu comme on parle de malbouffe. Eh bien, la malbouffe, c'est aussi mauvais que la mauvaise musique et inversement. Personne n'aime la malbouffe, à part les enfants de 7 ans, mais ça passe normalement avec l'âge. Eh bien, vous savez, la question maintenant, c'est ce qu'il faudrait savoir écouter pour être, ce qu'il faudrait écouter pour être en bonne santé. Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre objectivement. Vous savez, les goûts et les couleurs, c'est comme on dit, c'est quelque chose qui ne se discute pas. C'est pareil avec la musique. Qu'est-ce qui est de la bonne musique? Qu'est-ce qui est de la mauvaise musique? C'est une question, bien évidemment, éminemment subjective. Donc à chaque fois, ils entendront quelque chose d'autre. Donc c'est une question subjective. Mais il y a aussi cette strate plus objective, celle qui peut être mesurée, analysée de manière scientifique. Donc si nous prenons en compte ces deux strates, ces deux couches, et nous les plaçons à côté l'une de l'autre, sur cette base, nous pourrons tirer des conclusions au sujet de la qualité de la musique que nous écoutons. Malheureusement, au XXe siècle, on a eu affaire à une baisse de qualité de la musique, ce qui a mené à une situation où des milliards de gens ont affaire à de la musique de mauvaise qualité. Je ne parle pas de genre concret, parce qu'on peut avoir d'excellentes chansons pop et de mauvaise musique classique aussi. Mais, comme je le dis, nous avons de plus en plus affaire à de la musique de mauvaise qualité qui a une influence sur notre sensibilité, la sensibilité de milliards de pays dans le monde. C'est quelque chose à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Nous devons assurer aux milliards de pays, de gens dans le monde entier, on devons leur assurer un accès à de la musique de bonne qualité. C'est un objectif très important qui s'inscrit dans l'objectif numéro 3 de développement durable qui concerne le bien-être et le bon état de la santé, ainsi que l'objectif numéro 4 de l'éducation de haute qualité. Donc nous savons que la musique a une influence sur notre organisme, et nous savons que la musique de haute qualité a une meilleure influence sur notre organisme. Mais qu'est-ce que ça va avec la technologie? Nous sommes maintenant sur un carrefour technologique, tout change, la technologie a de plus en plus d'influence sur notre vie. En vérité, elle est utilisée par des milliards de personnes dans le monde entier. Nous disons très souvent que très bientôt, il n'y aura plus de différence entre les gens et les machines. Pensons à l'intelligence artificielle, par exemple, qui dans le futur pourra peut-être composer de la musique personnalisée pour nos besoins. On n'aura pas à apprendre de telles compétences de choix. L'intelligence artificielle qui nous aide à nous faire traiter médicalement, on n'a pas ou qui nous assiste dans les questions juridiques. Ça, c'est des bénéfices qui nous attendent dans le futur. Ça peut plaire à certains. Il y en aura qui seront tout simplement forcés d'utiliser ce type de service. En ce qui concerne la musique, nous devons donc nous poser la question de savoir ce qu'est la qualité et qui va décider de cette qualité. Est-ce que c'est nous qui allons décider de la qualité, la façon dont nous sentons, ou ça sera l'intelligence artificielle? Alors, nous devons réfléchir à savoir
comment faire en sorte à ce que des milliards de gens dans le monde entier recouvrent cette sensibilité qui leur permet de discerner la qualité, les différences de qualité. C'est quelque chose sur quoi nous devrions nous pencher et essayer de trouver des solutions. Dans le passé, c'était absolument l'opposé. Donc les gens perdaient leur sensibilité. L'art avait le moins dans un moins de différence de teint différent, de couleur. Ce qui veut dire que nous ressemblons de plus en plus à des machines. Nous voyons que la technologie se développe, que l'intelligence artificielle devient de plus en plus accessible et commune. Et à un certain niveau, les machines n'ont pas besoin de nous. Elles se débrouillent très bien d'elles-mêmes. Donc, si nous voyons que les gens deviennent de plus en plus semblables à des machines, et en même temps, la technologie se développe de plus en plus, nous remarquons que nous avons affaire à un problème sérieux. Mais bien sûr, comprenez-moi bien, je considère que la technologie crée d'énormes opportunités. Et je pense que la technologie peut nous aider à nous développer, aussi dans le développement personnel. Non, on ne peut pas faire de faute ici, parce que la question de la musique ici est une couche qui n'est pas encore suffisamment bien exploitée en ce qui concerne les changements auxquels nous avons affaire. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde où la malbouffe est perçue comme la manière la plus raffinée de se nourrir. Je pense que nous devons veiller à former, à sculpter notre sensibilité pour qu'on devienne de plus en plus humain, qu'on puisse créer de l'art et de la musique qui sera remplie par le naturel. Et ces sensibilités. Dans la musique, comme dans d'autres sujets, les questions de valeur et de qualité sont très importantes, mais aussi les questions relatives à l'éthique. Heureusement, il y a les start-up, telles que notre start-up, par exemple, qui se penche sur ces questions. Nous voyons que la technologie se développe très vite, donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons très peu de temps pour agir de mieux en mieux et pour fonctionner de mieux en mieux dans cette dimension humaine. Je dois dire que très sincèrement, je suis quand même optimiste, surtout en tant que musicien, parce que je considère que la musique de haute qualité peut jouer un rôle important dans ces changements, dans ces évolutions. Je regarde les jeunes de manière optimiste aussi, les jeunes gens, parce que je considère que l'éducation musicale leur permet de faire former en eux une sensibilité qui fait que les jeunes gens, et dans le futur aussi les personnes adultes, auront une approche plus sensible du monde qui les entoure. Je pense que l'éducation musicale est extrêmement importante, pratiquement aussi importante que l'éducation en matière de finance, d'ingénierie ou de mathématiques. C'est une valeur ajoutée en vérité et je pense que les matières du groupe STEM, c'est des choses importantes. Mais à cela, nous devrions ajouter encore les questions de l'art, dont la musique. Donc nous devrions parler pas seulement des objets de groupe STEM, mais aussi STAM, A comme art en anglais. Nous devons veiller à notre sensibilité et former chez nos enfants une curiosité naturelle. Je pense que dans le futur, nous pourrons regarder dans le passé et voir si dans la période où nous sommes maintenant, nous avons réussi à trouver une place digne dans ce monde plein de technologies, ou est-ce que quelque part l'homme s'est-il perdu? Nous devons le souligner. Encore une fois, la qualité, la valeur et l'éthique, c'est des questions que nous devons prendre en compte dans ces domaines qui sont perçus communément comme des questions et des territoires subjectifs. Je pense que nous pouvons exploiter la qualité de la musique pour former en nous de l'empathie et pour devenir plus heureux et en meilleure santé. Et en vérité, c'est de ça qu'il s'agit dans notre vie. Je vous remercie de votre attention.
Merci la Pologne, merci Katowice. C'est un grand plaisir de pouvoir prendre la parole devant vous. Thank you very much. What a performance and what a speech. Ingolf Wunder, grand merci pour votre concert ainsi que pour l'intervenant. Ingolf Wunder était avec nous. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'ouverture du 16e Forum IGF 2021 vient de se terminer. Nous avons commencé par un débat réussi et fructueux. Souvenons-vous que c'est un débat ouvert au sujet du futur de l'Internet. Donc chacun peut nous faire part de ses opinions. Je vous remercie d'avoir participé à cette cérémonie d'ouverture ici à Katowice, mais aussi en ligne. Merci de votre attention. Et je vous souhaite une journée fructueuse.